Mesdames, Messieurs, bonsoir. Depuis Studio 4, la voix de l'Amérique à Washington, moi c'est Jacqueline Belizère. Un plaisir pour nous ensemble pour nous présenter un programme dans la langue créole haïtienne qui c'est Rendez-vous. Quelques grands points qui ont dominé l'actualité. Jeudi 11 juillet 2024, la rideau tombé sous sommet l'OTAN dans Washington DC qui coïncidait avec 75e anniversaire Organisation Traité Atlantique Noir. États-Unis élections, sondage, rassemblement, débat à attaque politique dans cadre campagne présidentielle Biden-Trump là dans moment parti républicain pral gagner convention semaine qui vient là dans Milwaukee. Dans Kenya, président William Ruto fait un gros remaniement dans cabinet ministériel là dans mitan gros mécontentement populaire. Et puis dans le pays d'Haïti, visite Premier ministre Garry Conille, entre autres dans l'aéroport international Toussaint Louverture, dans quatre virerons dans plusieurs institutions administration publique. Là. C'est point ça, yo. Avec l'autre encore, nous allons développer pour dans un petit moment et gros événement. C'est dans Washington DC, côté Ridoyo, nous voulons dire clôture là, à fête sous sommet l'OTAN. Qui t'a commencé le 9, 10 et puis 11, c'est jeudi à 11, qui t'a fait dans Washington DC. C'est un sommet qui coïncidait avec 75e anniversaire Organisation Traité Atlantique. Là, nous avons sous place Gentil Augustin Junior avec Fred Kaimit. Et voilà, nous avons Gentil Augustin Junior. Et Gentil, dis-nous non. Et c'est jeudi à pratiquement c'est rideau qui pral tomber. C'est gros rassemblement, c'est un gros moment dans le cadre de sommet ça. Qui ça? Où est dans le sommet ça? Qui sont sentis? Qui sont capables de décrire l'ambiance là pour nous? Merci un peu, Jacqueline. Et je dis à ce dernier jour, sommet A, qui était doué fait pendant 3 jours, 9, 10, 11, et je dis à ce dernier jour, rideau tombé. Mais nous, plus déjà qu'on est, dans sommet ça, point central là, discussion centrale, il était sous l'H et sous Ukraine, côté que tout débat était tourné autour de Ukraine, et il y a un pile rencontre tout. Pendant sommet A fait dans Walter Center Convention, nan, mais t'es gagné l'autre si rencontre qui gagne en dehors de sommet là d'regarder tout à l'heure là et président Biden t'est rencontré ensemble avec un président et Zelensky côté t'a discuté sur avenir guerre ça qui gagne en Ukraine et en dedans gagne des forums publics côté que leader yo même toujours prend sans yo à parler à dire ça ce qui ça cap passer en dedans sommet avec public là et comme ça depuis hier t'es gagné des attaques contre la Chine, ça veut dire participation de la Chine, support que la Chine lui-même la baille en Ukraine dans la guerre contre la Russie. L'invasion de la Russie était faite en 2022 dans le pays Ukraine. Le président Biden lui-même dit que la Chine, Corée du Nord, Iran a porté support la Russie en façon pour capable combattre avec Ukraine. Et même Jean Tout, Jens Stoltenberg, qui est secrétaire général de l'OTAN, lui-même tout, lui longe de douette sous la Chine, qui toujours a supporté en guerre qui gagne en Ukraine. Et nous avons regardé, les journalistes étaient présents, nous avons croisé avec John Kirby, côté que nous là dans la salle, dans le Media Center. C'est une ambiance, c'est tout le monde motivé, il a regardé qui s'est sorti. Et nous-mêmes, nous étions à suivre qui s'est sorti tout dans le dernier jour, ça, qui c'est le sommet des Américains qui coïncidait avec le 75e anniversaire de l'Alliance. Right now, Russia. Kounyeya, la Russie en position la guerre dans ça qui concerne production défense. Li continue à augmenter production li dans zam, munitions et machines. Et puis tout ça avec aide la Chine, Corée du Nord et Iran. Nous pas capable. Dans opinion moins permettre alliance là à perdre temps. Pour Jens Stoltenberg, secrétaire général l'OTAN, Ukraine sur une route sans détour pour venir en membre l'OTAN. Et dit organisation a intention pour bailler Ukraine une enveloppe au moins cap gain 40 millions d'euros pour année cap venir pour le kakembe assistance sécurité dans un niveau durable pour gagner la guerre. Secrétaire général a dénoncé tout si pour la Chine bailler la Russie dans la guerre contre Ukraine.
La Chine a joué un rôle clé dans la guerre la Russie contre l'Ukraine. Si pour la Chine augmenter menace la Russie sous sécurité euro-atlantique là. Allié yo te dit li clairement que la Chine pas ka permettre prolongement plus gros guerre Europe là dans histoire récent yo. Continuer sans yo pas nuit intérêt à réputation li yo. Jeudi 11 juillet 2024 là, la Chine t'a demandé organisation traité Atlantique Nord pour suspendre inciter confrontation entre bloc yo après mauvais critique alliance Atlantique là, t'a accusé Pékin cap bay Moscou aide important dans invasion Ukraine. Nous encourager l'OTAN pour réfléchir sur cause profonde crise là ak propre action li yo. Écoutez bien voix communauté internationale là ak pran mezi concret pour améliorer situation au lieu yo la guerre responsabilité ya sous l'autre monde. Nan yon rencontre tête à tête entre président Joe Biden ak président Volodymyr Zelensky jeudi 11 juillet 2024 là, deux présidents yo te discuté sous façon pour yo rive juste fini la guerre ya ak la Russie. Et puis yo te mandé pour yon deuxième sommet la paix à Nessa. Président Biden te dit, nous pral rete avec vous, période. Président Zelensky te répond, ensemble, nous sauver peuple noir. Dans un forum public dans Somaya, conseiller sécurité nationale la Maison Blanche, Jake Sullivan, te fortement condamné attaque la Russie qui saute passé yo. Tant coup, attaque sur l'hôpital Timoun dans Kiev, c'est Mensa. Et puis, li mette accent sous collaboration qu'a continué avec Ukraine pour renforcer défense contre agression la Russie. Putin cannot divide us. Putin he cannot outlast us. Pas diviser. He cannot weaken us. Li pas ka survivre avec nous. Li pas ka faiblir nous. Et Ukraine pas la Russie pral dominer la guerre ça. Paysage conflit ça jodia différent en pile passé salitéyé dans mois avril là. Les Ukraine te manqué fourniti ak équipement. Et puis la Russie te en mouvement jodia. Sous champ bataille là, la Russie a prend frappe. Mais li pa ka entré. Ukraine a frappé fort et puis faibli capacité stratégique la Russie yo. Leader organisation traité Atlantique Nord yo rencontré dans une réunion pendant sommet à Washington hier mercredi a exprimé profond inquiétude yo sur rapprochement entre la Russie ak la Chine et puis pays membre l'OTAN yo te profiter fait promesse pour augmenter si po y a bay Ukraine et dit que chaque membre dans l'OTAN a fait partie pa yo pour assurer que alliance la rete jam. Alors que ministre affaires étrangères la Chine qualifié déclaration organisation traité Atlantique Nord qui dit la Chine vin tourner un partisan décisif dans la guerre la Russie contre Ukraine injuste ak malveillant. Gentil Augustin Junior, VOA Creole, Washington. Merci Gentil Augustin Junior. Gentil c'est envoyé spécial service que là dans sommet l'OTAN cap déroulé dans Washington. D'ici nous parlons dans actualité électorale ici aux États-Unis côté gain gros débat dans mi-temps parti démocrate là sous candidature président Joe Biden surtout après mauvais performance li te bay dans débat contre ancien président républicain Donald Trump. Jean-Robert Philippe a suivi pour nous débat ça surtout débat en dans parti démocrate là pour connaître est-ce que vraiment et y a kembe un président Joe Biden pour élection 5 novembre ou bien y a pral choisi yon l'autre monde Jean-Robert. Donc c'est gros débat ça ici aux États-Unis dans actualité électorale là. Effectivement Jacques Jondia et c'est un gros débat et c'est pratiquement la première fois que un débat comme ça sous choix ou candidat au Parti démocrate là dans prochaine élection yo. Et raison qui dans base là c'est performance et président Joe Biden te met pendant premier débat te face à candidat républicain Donald Trump et leur raison en question de l'âge parce qu'en pile monde y compris même parti à quoi li pas capable et diriger pays à cause de l'âge li et puis tout difficulté li ka gagne pour remporter l'élection devant candidat parti républicain Donald Trump et c'est raison que en pile débat fait pour ouais est-ce qu'il est possible pour être remplacé avant même convention parti démocrate là dans mi-temps mois d'août là. Président Joe Biden continue à résister sous pression quelques membres parti démocrate là a fait pour l'abandonner course là.
devant ça a fait dans moment quand il a pressenti parti républicain Donald Trump mandé Lyon l'autre débat pour capable prouver les qualifier pour diriger États-Unis ancien président chambre député a Nancy Pelosi c'est dernière voix influent parti démocrate là qui a doute Biden a représenté parti a dans élection présidentielle 5 novembre nan. Député californien qui t'a parlé sous chaîne télévision MSNBC déclaré c'est président Biden qui lui décide lui-même s'il a prêté dans course là nous tous campé des dol nous tous encourager pour prendre décision à cause parité en pile temps président Biden prend engagement pour rester dans course là pendant d'y insister pour dire c'est seul l'Éternel qui capable mander pour mettre fin dans course là Nèf député démocrate pour Bibiti avec un sénateur mandé président ouvertement pour mettre l'école à côté à possibilité pour vice-président Kamala Harris ta remplacer. George Clooney qui s'est participé dans une campagne ramasser l'argent dans Hollywood pour président Biden a ajouté voile parmi supporters démocrates qui ont encouragé le président pour l'écraser et ont quitté ça. Acte a déclaré réservoir écrasé. Tout ça nous pour nous faire, c'est enterrer tête nos ambassades en mai et puis prier pour un miracle arrivé en novembre. Ou bien nous capables de dire la vérité. Clooney a ajouté démocrate replacé dans le Chuck Schumer, Hakeem Jeffries, Nancy Pelosi, sénateur, député avec l'autre candidat qui capable perdre l'élection en novembre. Nan, besoin de demander président pour abandonner tout cela volontairement. Porte-parole à Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, qui était abordé question à journaliste mardi de JEA, reconnaître président est passé un mauvais moment pendant le débat. We understand. We're not taking away from what you all saw. Nous comprenons. What the American people saw. We understand. It was a bad night. It is not common. C'était une mauvaise soirée. Je dis à qui mon grand démocrate là qui est capable de remplacer Joe Biden avant la convention partie dans ce mois août là. Professeur Larry Sabato, directeur de l'University of Virginia Center for Politics, déclare. There is only one way for a nominee to be removed, and that is for the nominee to decide not to run. Seule façon pour remplacer un candidat désigné, c'est s'il décide d'abandonner pour cela lui-même avant convention, hein, pour l'ouvrir pour cela pour n'importe quel candidat qui a besoin de support délégué. Pour sa fête, une grosse délégation démocrate doit aller dans la Maison Blanche pour convaincre le président ensemble avec Madame Lee. Professeur a proposé une liste 5 candidats parmi eux, vice-président Kamala Harris, avec gouverneur californien Gavin Newsom, qui est capable d'avoir accès à campir l'argent. Proposition pour remplacer le président Joe Biden avant la convention clair. Mais ce n'est pas facile, tout autant le président lui-même a résisté pour l'abandonner pour cela. Jobert Philippe, VOA Creole, Washington. Pendant ce temps, dans le camp républicain, c'est réjouissance, côté que ancien président Donald Trump continue à dire que, eh bien, parti démocrate la tête en bas, côté que, yo, a fait président Joe Biden passer un mauvais quart d'heure, et il dit que c'est yon nan pi mauvais président que pays a jamais connaît, et lui-même l'a avancé, l'a dans direction la Maison Blanche. Donc, ça veut dire que son débat qui est vraiment tête chargée entre parti républicain, qui gagne dans tête les présidents, ancien président et Donald Trump qui pral représenter Patia et gagner et convention qui a fait semaine cap vin là dans Milwaukee et après ça a gagné convention parti démocrate là donc VOA Creole a suivi de très près pour actualité électorale là ici aux États-Unis actualité internationale là a mené nous connait dans pays Kenya côté président William Ruto fait un gros remaniement ministériel dans mi-temps gros mécontentement populaire côté là il a même a demandé pour démissionner. I have today, in line with the powers given to me by Article 1521 and 1525B. Jodi a, conformément à pouvoir article 1521 à 1525B Constitution et à section 12 loi procureur général, moi décidé révoquer immédiatement tout secrétaire cabinet,
ak procureur général Kenya, cabinet Kenya, excepté premier secrétaire cabinet pour secrétariat, secrétaire cabinet pour affaires étrangères ak affaires diaspora et naturellement bureau vice-président pas affecté. Président William Ruto a annoncé jeudi 11 juillet 2024 là révocation presque toute cabinet là à l'exception vice-président et ministre affaires étrangères après environ 3 semaines de manifestation anti-gouvernementale qui t'aimait le pays tête en bas. Malgré le gouvernement a fait bac sur un projet budget, manifestants ont continué côté ont réclamé démission président Ruto. Dans une adresse télévisée, président Ruto a annoncé décision ça après ça le dit, quand des voix peuple Kenya et après évaluation globale performance cabinet là avec toute réalisation et défi qui devant gouvernement. Et qu'on y a dit, il pral fait consultation à travers différents secteurs et à formation politique pour le former un nouveau gouvernement. C'est dans la date 26 juin 2024 là que le gouvernement a retiré un projet budget qui était fait en pile par en pile dans le pays. Un plan qui te prévoit augmentation taxes et manifestants ont entré dans le Parlement un jour avec fracas et te même du fait dans le bâtiment. Et la police a utilisé balles réelles d'après l'agence officielle protection droit monde pour être capable de faire face à l'action manifestants. Et laisse là 39 personnes pour Pipiti te mourir. Président William Ruto qui montait sous pouvoir en août 2022 a fait face à un pile difficultés et un pile défis pour le faire système dans le marché et satisfait pour moi c'était fait pour des amis. Voilà, c'était situation dans le pays Kenya. Nous connaissons que pays Kenya qui est lié avec Haïti parce que gagné déjà un contingent policier et pays Kenya qui dans le pays d'Haïti dans cadre mission et multinationale pour sécurité dans le pays d'Haïti. Et effectivement, dans un petit moment, nous allons rentrer dans l'actualité concernant le pays d'Haïti où sous VOA Créole, où on suivi un programme dans la langue créole haïtienne. Actualité à dans le pays Kenya, merci d'être choisi VOA Créole pour informer au Premier ministre haïtien Gary Conny, les visiter direction immigration et émigration dans l'aéroport international Toussaint l'ouverture là. Dans l'idée pour le fournir garder état équipement et infrastructure qui est utilisé pour contrôler passagers. Il y a un reportage Yves Manuel depuis Port-au-Prince. Pendant visite ça, Dr. Gary Conny était accompagné du directeur général ministère intérieur Amos Zéphirin, directeur général cabinet Michelet Modestin, ingénieur système direction immigration et émigration Jean-Ocelyn Lambert. Objectif principal visite ça, c'était informer de conditions travail agent immigration yo et état conditions équipement et infrastructure utilisé pour contrôler passagers yo. Titulaire ministère intérieur a compté plancher sous différentes contraintes matérielles et logistiques dans l'idée pour améliorer conditions de travail agent yo. Nous font bon petit parler avec personnel là qui partage avec nous difficultés yo gagne dans fonctionnement yo, risque qui gagne que pour adresser rapidement moyen que fonctionner tous les jours. Nous là avec directeur immigration justement pour nous voir comment nous améliorer conditions de travail yo, et puis certainement tout assurer que nous minimiser risque sur un processus qui est très fragile qui est très délicat que nous pas qu'à quitter à aucun moment fragilisé. Ministre intérieur a profité par les taux de nécessité pour rendre processus personnalisation documents voyageurs plus rapide, efficace, efficient tant en Haïti que dans la diaspora. Il y a des solutions à mettre en place là sur le court terme, mais les bonnes garanties, il y a des solutions à envisager sur le moyen terme pour que le dossier passeport soit traité beaucoup plus rapidement. Nous connaissons que des dizaines de milliers d'Haïtiens qui sont en souffrance parce que le bail fait passeport et le bail fait. Donc ça, on va accueillir les gens pour nous et nous cherchons les gens pour nous capables d'adresser le plus rapidement que possible. Ministre intérieur, qui est en même temps chef gouvernement, fait diverses autres visites dans ce maintenant. Tant qu'il est allé tout dans l'ONI, côté l'État prend information et évaluer l'institution ça dans le cadre perspective organisation prochaine élection générale dans le pays d'Haïti. Moi, c'est Yves Manuel, depuis Port-au-Prince, pour VOA Créole. Merci Yves Manuel, n'a pas été toujours dans le pays d'Haïti, côté 5 organisations et droits humains parmi RNDDH et POHDH. Il a écrit au Premier ministre Gary Conny pour demander de mettre en application 5 points stratégiques pour résoudre crise sociopolitique et économique pays a confronté depuis quelque temps. Il y a un reportage Renan Toussaint depuis capitale haïtienne Port-au-Prince. 5 organisations de Mounzaio, CRNDDH, POHDH, SEC Réflexion, CGLAP, AGNEC Baron,
qui rencontrait la presse jeudi 11 juillet 2024 là, dans le cadre suivi une correspondance qui était adressée dans la date 4 juillet passé à Premier ministre Garry Conille, dont une copie à joindre Conseil présidentiel transition pour faire nouvelle autorité au part des 5 points estimés qui est important en pile pour le gouvernement qui travaille sur yo dans l'intention pour rétablir la paix et la sécurité avec un ordre démocratique durable. 5 points ça yo, c'est par exemple, pas ta doué gen dialogue avec bandit, ni amnistie, agent qui fait partie force multinationale soutien à sécurité a, pas doué agir en violation droit monde dans pays yan, faut que la paix et sécurité retourne avant organisation élection yo. Enfin, c'est justice et réparation pour victimes insécurité yo que y a demandé d'après madame Marie-Rosie Auguste du Sénat, responsable programme dans RNDDH. Conséquences violence ça c'est des conséquences qui énormes sur victimes yo. Non seulement nous comptons victimes yo justement par milliers et nous comptons tous des proches de victimes qui obligé courir quitter la caillou par des centaines de milliers. Et donc je n'ai aujourd'hui a nous estimer cette organisation ça yo que gouvernement li supposé pencher sur question ça. En termes de recommandation par rapport à démarche ça yo, madame du Sénat dit pas doué gain dialogue avec bandi ni amnistie pendant le mandat gouvernement prend toutes dispositions nécessaires à travers 18 juridictions pays. Nous demandons au premier ministre là pour le passer ministre justice li en instruction pour le mandat tout paquet première instance tribunal première instance dans pays particulièrement parquet tribunal première instance dans Port-au-Prince dans Tigouave dans Croix-des-Bouquets dans Saint-Marc avec dans Gonaïves yo mettez action publique en mouvement contre bandi armé. Beaucoup de parle à l'ermi Pierre Villus pour POHDH qui parlait sous problème corruption, eh bien yon a signal clair que autorité yo ta dwe voyer bay population pour démontrer tout bon vrai que y a bataille contre fléau ça yo rele corruption, eh bien c'est prendre toute disposition pour faire tout membre gouvernement faire déclaration patrimoine. Jean, la loi 12 février 2008 là mandé ça. Donc quoi son élément fondamental et son signal clair, il y a voyé qui montrait que yo voulait rompre divorcer à pratique corruption. Pendant que directeur exécutif RNDDH Pierre Espérance souhaitait agent mission multinationale soutien à sécurité qui déjà souterrain commencer frapper pied à terre dans quatre GIFO pour accompagner PNH rétablir l'ordre avec la paix en Haïti. Wena Toussaint, pour VOA Creole, Port-au-Prince. N'a quitté Port-au-Prince, nous prenons Atlanta, Georgia, pour nous voir un cas qui est très particulier, qui a un rapport avec la justice et qui a un rapport avec un Haïtien. Enterrement Jean-Claude Laguerre, qui a perdu la ville après qu'il était tombé dans le travail. Et bien, ça a provoqué un pile réaction dans la communauté haïtienne, dans l'État Georgia. Nous avons sous place Yurmi Janet, qui a dit nous plus. C'était dans l'église de Dieu Gethsemane, dans Lawrenceville, dans l'État Georgie, un funérailles symbolique te chanté pour M. Jean-Claude Laguerre, un haïtien qui était entré aux États-Unis dans le programme Biden. Il est arrivé perdre la ville dans l'hôpital dans Douglas County après qu'il était fini tombé dans le travail. Yon la mort qui générait un pile doute dans la famille de fin à communauté haïtienne Atlanta parce que yon te brûlé quoi sans autorisation famille. Pour moi, régler affaire enterrement pour retourner pour Kavin ou Marie avec étonnement, les nous a planifié et puis yon a moins apprendre que yon brûlé Marie sans pas connaître. Plusieurs citoyens dans la communauté a qui te vin supporter famille là, tap mandé justice pour M. Jean-Claude Laguerre. Bonne jeune carré, mais quand ça est première femme jeune. Et m'a fait tout ça que je suis capable. Tout ça que je suis accumulé pendant 40 ans ça, pour Madame Laguerre, pour Monsieur Laguerre, jeune justice et pour famille, pour conforter. Nous avons fait là, et déjà fait déjà, mais ça ne va pas passer comme ça. Nous vraiment déplorer ça qui arrivait, hein, comment que Monsieur Laguerre a perdu la ville. Nous capables de dire bagay qui très tragique et ceci qui suscite nous pour nous venir porter collaboration ensemble avec famille hein. Moi premièrement c'est nous moi content que nous capables là pour nous supporter famille hein. C'est très important pour nous capables toute en communauté qui vient unie à cause de une cause comme ça.
comme une organisation femme, nous venons, International Women of Hope, nous venons pour nous camper avec Madame Ni, avec Petite Li. Premier, ça qui t'a attiré l'attention, c'était la circonstance de la mort. Là. Et c'était une recommandation nous, également, dans notre recommandation également, poursuite légale si nécessaire. Nous tous sommes haïtiens, donc à chaque fois qu'un haïtien a un problème, c'est tout haïtien qui a supposé un problème. Donc, c'est comme ça que j'ai entré dans le cas, côté pour moi, une femme, même j'ai avec moi, j'ai perdu Maril, donc il était besoin d'aide, moi j'ai décidé d'aider. Je demande justice pour Maril. Et je demande tout pour l'autre monde pour continuer victime, même j'ai avec Maril victime. Parce que douleur, ça m'a ressenti, je ne souhaite personne l'autre monde vivre encore. Parce que ce n'est pas facile pour moi. N'a fait qu'on est, Jean-Claude est tombé dans le jardin côté l'étape travail avant l'étal mourir dans l'hôpital dans Douglas County. Pour qu'on y a, en pile mise en place a fait pour qu'il y ait une poursuite judiciaire sous l'amour citoyen haïtien. Youmi Janit pour VOA Creole, Atlanta. Merci Youmi Janit, n'a quitté diaspora et nous allons entrer dans le département nord pays pour nous parler de jeunesse et avenir jeunesse. Nous sommes sur place, correspondant nous, Gérard Maxino. Organisation New England Human Rights, NEWO, démarré mercredi 10 juillet 2024 avec la troisième série de formation dans la commune Limbé. C'est plus passé une centaine de jeunes qui ont participé dans le séminaire de formation qui était déroulé sous thème Yon jeunesse haïtien face à l'avenir. Selon le président NEWO, Josué Renaud, séance de formation pour permettre jeunes de reconnecter avec le pays. Pour l'autre société. Aujourd'hui, nous choisissons Limbé pour la troisième conférence qui a un rapport avec les jeunes. Parce que souvent dit que les jeunes, c'est l'avenir du pays. On a regardé comment les jeunes ont quitté en dehors de la réalité sociopolitique du pays d'Haïti. Nous venons pour nous apprendre que dans 10-20 ans, c'est eux qui prennent la responsabilité du pays. Par conséquent, ils ont fait pour commencer à assumer. Donc, quand thème c'est jeunesse haïtienne face à l'avenir. Responsable NEWO a expliqué des journées de formation ça a déroulé sous éducation civique et citoyenneté. Ça a capé des jeunes qui connaissent le pays, c'est pour eux, d'après l'idéal des salinières. Mais nous avons des sous-thèmes qui ont rapport avec l'éducation, éducation civique et sous les citoyenneté. Et nous sommes capables de dire que plus de 100 jeunes dans la salle qui ont réfléchi, c'est un gros causé. Et nous avons entre autres intervenants. Nous avons un juge Marjorie Einstein qui a fait nommé dans le tribunal et Massachusetts, c'est un haïtien-américain. Nous avons Madame Carmel Bonomet. Nous avons tout intervention de docteur Yolette Iboquette. Nous avons tout intervention de plusieurs autres personnalités. Donc, c'était une journée réussie dans la mesure où tu as interaction entre jeunes et intervenants. Ça fait que tu rappelles jeunes que le pays d'Haïti c'est pour yo lié et que par conséquent, tu fait pour réapproprier. Pour qui ça de telles formations? Parce que nous arrivons au point côté que question civisme, question patrie, question drapeau pas exister en dans pays d'Haïti. Donc je dis à faut ou permettre que jeunes yo reconnecter avec pays ça pour yo pas suivre modèle qualité dirigeant que nous gagne jodi a cap dit volant l'état c'est pas volant ou bien plumer pour là pas quitter le relé. Nous besoin que jeunes yo comprennent que Haïti c'est pour yo lié. D'ailleurs c'est ça idéal de s'aligner en blé. C'est plusieurs personnalités avec professeurs qui sorti dans pays États-Unis ak nan université l'état d'Haïti qui t'est intervenu dans des journées d'information ça Gérard Maxino Capaïtien pour la FAD d'Amérique. Et surtout avec les derniers reportages que nous avons mis fin dans le programme aujourd'hui. Nous voulons remercier de façon très spéciale le service espagnol là qui aujourd'hui a venu porter sympathie et le service créole là dans l'occasion de la disparition de Cavalier Paul Canou, Zamino, Frenou, collaborateur nous, Serge Rodriguez.
et nous voulons dire tout le monde tout capé relayer nous qui voyait notre pour nous, ça fait nous plaisir en pile et nous apprécier ça en pile et nous-mêmes nous pas jamais oublier Serge Rodriguez. Et puis n'a pas rappelé tout que eh ben nous déjà go final captain nous Coupe d'Europe des Nations a bien Espagne Angleterre et puis dans Copa América eh ben gagné Argentine Colombie. Merci pour attention nous, merci Starling, merci et Jean-Marc Hervé Abella, Baron Guest qui derrière. Donc moi dit merci tout le monde, c'est un plaisir. À demain. Prendre que situation pendant journée qui était mercredi 10 juillet 2024 là, li pas trop bon dans Front National Solino et Belair. Information à bike et question à poser. Est-ce que c'est la police qui envahit monsieur Andy Belair yo et Nek Badel Mayo? Et information à dit tout, est-ce que c'est Bandi Babel et Belair et Nek Vivant Samyo qui décide d'envahir mon Front National? Ça veut dire que information à partager dans diverses façons et dans diverses directions. Mais ça que nous connaît, d'après un pile journaliste qui a fait crédit, la police semblait mettre pied à terre dans le niveau Belair et dans le niveau Badelma. Pas oublier que récemment, dans la conférence que pour la presse que DG Ramon Amilte Baylan, l'été dit que Bas Bojo, monsieur renforcé dans le niveau Front National. Et renforcé, ça veut dire qui ça? Ça veut dire, vingé plus policier et vingé plus blindé, vingé plus matériel pour que n'est capable de contrecarrer action bandit. Est-ce que ça dit que je dis, hein, que Jean Lapole, Jean de Géramon en mille dit, hein, que peuple haïtien hein, a levé un bon matin ou dit, monsieur, sans attendre, il attendait que la police neutralise, la police est démantelée, la police démantibile bandit armé. Est-ce que c'est ça qu'a fait? Puisque de Géramon en mille dit, et pas qu'un jour, pas gain date, pas gain l'air, pour que la police attaque bandi yo. Est-ce que je dis, hein, ça qui a passé là? Est-ce que je dis, hein, ça qui a arrivé en pays là, que peuple haïtien lui-même, n'est pas capable exactement, et je dis, hein, arrivé, gain contrôle, ça qui a passé en pays, hein. Je dis à des Ivenes, en comprendre, en dit tête, non. Que ça qui a arrivé là, ça qui a passé là, peuple haïtien dit le bouquet, peuple haïtien dit l'about, elle pas capable encore. Il faut que question de sécurité acaba, il faut qu'ensemble problème yo résoudre dès y venir ça. Très bien, la situation tant que j'en dis la situation te paraît très compliquée et nous connaît zone Front National et ces zones qui bandi exam souvent. Collaborateur nous dès y venir avec n'a regarder et émission jeudi, hein, puisque nous sommes et ensemble de points, pas seulement de Front National, mais Grécier tout en même temps, puisque les questions que Grécier. Résultat. Mm-hmm. On m'a dit. Qui est le résultat BK, et selon DG Rameau, lui-même, il dit c'est MPP, mariage, police, population qui permet au moins que ayons résoudre le problème d'insécurité qui vient en dedans pays. Hein. Est-ce que c'est ça qui a fait dans Solino? Est-ce que c'est ça qui a fait dans Front National? Est-ce que c'est ça qui a fait dans Badelma? Bien que nous, barbecue, Jimmy Cherizier t'es sorti en vidéo pour parler en pile, pour dire que la police préparée pour mettre civil armé dans blindé pour attaquer. Est-ce que c'est crête ou crête? Est-ce que c'est peur que vous commencez peur par rapport avec Zach qui vous fait en dedans pays? Selon directeur général de la police, eh bien, il y a attaqué bandit yo dans niveau et Zach qui vous commet en dedans pays. Parce que les aller dans divers espaces, dans divers bâtiments d'État. Tant que l'hôpital général, le regard dans qui niveau que nex a mette l'hôpital général, lui mérite que nex a yo, au moins, y a le débat yo. Yo stoppé et maîtrisé par la police. Nous amène Rameau déterminé. Conseil présidentiel yo, pour certains là-dedans yo, qui partent distribuer les armes, yo déterminé. Pour permettre que sécurité retourne dans le pays ya. En pile dans moun yo, commencé à gagner des réactions contre le premier ministre Gary Conny, yo estimé qu'il t'a connu qui n'a campagne. Cap fait, promesse. Presque chaque jour, chaque fois qu'il prend parole dans le micro de la presse. Pour jouer mercredi, ailleurs, de toute façon, tu as gagné un conseil des ministres qui était doué fait, qui renvoyé à la huitaine. Sous table, tu as gagné des questions qui liées avec question BNC. Parce que, songez, ça a grand paquet qui a joué, qui a joué sur le gouverneur Banque Centrale. Il a cherché qu'on est. Est-ce qu'il a changé? Est-ce qu'il a pris? Et faut que nous disions tout, Fritz Alfonso, dans le mercredi, rend visite à BNC. OK? Il y a tant pour rendre une série de visites stratégiques. Songez lui-même, c'est économiste qui est lié dans le conseil présidentiel de transition. Hein? Et en pile, le monde fait quoi? Qu'il est passé dans la boîte ça déjà. Il y a des gars qui te commettent là-dedans. Est-ce que c'est même bagarre qu'il va arriver fait? Dans la situation, ministre Affaires sociales et Travail, là, Georges Wilbert Franck,
li te renni directement dans greffe tribunal de première instance Port-au-Prince tout simplement pour ta faire déclaration définitive patrimoine. OK? Pour ta faire déclaration de patrimoine ni à qui ça qu'elle rentre dans job là, à qui ça qu'elle pral sorti. Soje gon paquet de volant. OK? Gon paquet assassin qui rentre qui prend job yo, yo vinn di la pi de fond. Yo pa di a ki sa ki yo rentre, se gade yo gade, apre nan yo fin sorti, yo yo charge l'argent, so pa konnen ki kote yo fè l'argent. Conseil présidentiel, te kon jan te di la, Fritz Alphonse Jean, li te rene nan lokal ILCC, pou jounen mercredi a, ekonomi sa kwel te nesesè, pou jwen information sou institution si la, ki pratiquement ap kontrole rentre ak sorti l'argent, nan sa ki gen pouwe, avec administration publique la, ou bien nan trésor public la. Fritz Alphonse Jean, tout, te tout passe nan BRH, quand elle t'est constaté système financier pays a fonctionné elle gagne bon genre sécurité situation difficile qu'a passé en Haïti c'est une menace pour la paix et la sécurité dans la région c'est ça ambassade américaine écrit sous compte X de faire quoi mission multinationale pour support à sécurité pays Kenya a dirigé c'est une réponse importante après appel pour assistance internationale Haïti t'est lancé pour combattre violence gang en dedans pays a l'expression. Mais je pense que l'IA est important, l'IA nécessaire, et n'a pas dit ou la situation. Monsieur Kenyan, yo, dans quatre missions multinationales là, yo gagné pour PPT 10 blindés MRAP qui stationnés dans base yo pour venir attaquer, ou y'a mené opération qui a bien pour mener yo, sans côté divers blindés qui déjà disponibles pour la police mener diverses opérations dans diverses zones à travers pays ya, pendant n'a pas rappelé, plus que 80% air métropolitaine en bas griffe, bandit, sans foi ni loi, surtout si monsieur, vivant ensemble ou la situation. Désilé SM dit ça avec ses amis, nous concertons de battre et Bayotan. Bayotan ainsi connu. Je suis présumé membre gang Grand Griffe à Gravine, pardon, Gravine. Eh bien, monsieur qui vivait stoppé là, par agent police nationale d'Haïti, dans la zone Cornier et près du fort, qui va trouver près du fort dans la commune Léogane. Là, il dit zone du fort dans Léogane. Eh bien, Cormier, c'est dans la zone ça, Bayotan, ainsi connu, qui est même ta membre, base Gravine, que tu l'as bien dirigé. Eh bien, monsieur, Valé Agenesasli, je n'ai quitté exactement mardi 9 juillet 2024, l'an des événements, selon l'information que nous avons. Pendant que monsieur t'a tenté pour le capable à le mettre propre gang ni campé dans un côté qui est l'habitat, dans la zone d'Abonne. Eh bien, la police qui est informée de ça, avant même monsieur à le mettre gang ni campé, la police tout dit, monsieur, ouais, zone ça, zone qui est habitat, dans la zone d'abonnement, dans l'éogan, pas quelque soit gang armé pour aller mettre campé là. Dans ce sens, tout mettez dans le ménage, monsieur, et plus jamais, monsieur, pas jamais capable de mettre gang campé, et monsieur, pas capable de mettre gang campé encore, parce que, y'a tout dit, monsieur, pas qu'un bagage comme ça, et des civils. Ensemble de points, ça, que nous pourrons analyser, nous pourrons questionner avec les amis. Ministre Petit Desalina, qui c'est ministre agriculture, et ministre Petit Desalina, nous pourrons en pile dans nous, n'a pas qui, yes, ministre qui m'a parlé, je vais parler de ministre Werner Joseph, qui est ministre agriculture. Dans la journée 8 qui se passe, et bien, Blaise Peterson, monsieur, t'es rencontré avec l'ambassadeur pays des États-Unis d'Amérique, Denis Hankins, pour y négocier pour être qui permettre l'exportation. Mango Francis, là, lui retourner pour aller dans le pays des États-Unis et pour voyager, pour aller dans divers pays à travers le monde. Là, nous connaît situation difficile qui était gagnée par rapport avec problème insécurité et tout autre problème qui te permet que tu te suspends avec l'exploitation Blaise Peterson. Ensemble, pour ça, pour analyser et questionner, et il y a des photos que nous avons Pierre Espérance avec Denis Hankins et Moïse Jean-Charles. Ça, il pratiquement qu'il y a map là. Il dit tout le monde, c'est esclave. C'est mettre avec esclave qui a fonctionné. Il y a des gens qui ont parlé bien fort des ambassadeurs. Et bien, il pas besoin de quoi. Il y a un diplomatie. Il y a un job qui a fait en découvert la situation. Deuxième, je vais avec dossier. Et alors, ça qui a passé dans le Fonds national. Et ça qui a passé Fonds national, laissez-moi dire avec Zamio. Si c'est la police qui a mené l'opération pour dénicher mon Dieu, c'est bien. Les bien ça me dit, oui? Ça qui a passé Fonds national. Là. Si c'est la police qui a mené l'opération pour déchouquer, pour démanteler individus Bel Air, mélangés avec Badelma, qui passe suspend envahi moun dans Fonds national, c'est bien. Mais qu'on a tout, si l'État bandit qui décide d'envahir mon Fonds national, là, la police nationale d'Haïti, à travers chaîne commande de la police, non, yo prend une décision définitive pour empêcher que mon Fonds national suspende victime en bas même armé. Parce que c'est pas jodi que mon Fonds national
y a lancé de SOS. OK? Y a lancé de SOS dans soirée autorité yo. Pour yo dire que yo pas capable avec asso Bandina Bel Air mélangé avec Bandina Badelma et pas jodi. Et pas jodi y a lancé SOS ça yo. Jusqu'à ce que c'est anti policier dans zone non. Ça crée des cafés résistance et de ces citoyens dans zone non. Qui était café résistance avec wash avec bouteille pour la société civile là et quelques policiers qui étaient dans zone yo même café résistance avec Mandi sa yo. Je dis hein, on nous dit clairement, est-ce que la police, est-ce que autorité qui la yo l'ité conseil présidentiel là, l'ité gouvernement koni a dirigé hein. L'été direction de la police que Ramon Amil a dirigé. Comme je t'ai dit récemment, l'État prend le contrôle pays, quartier en quartier, caille en caille et ville en ville. Qui ça qui empêche que jusqu'à présent, l'État pas capable de prendre contrôle Fonds National, surtout? Parce que problème Fonds National, parce que plan nèg banti Belair yo, plan nèg banti barbecue Badelma yo, c'est éliminer Fonds National. Nèg yo yo besoin éliminer Fonds National et rive pran base Poid lan. Ça c'est une gros plan nèg yo genyen. Parce que en pile fois, c'est monsieur Boydio qui fait de résistance avec nèg yo, qui fait nèg yo pas faire massacre dans Fonds National. Et ça faut attendre de temps en temps. Nèg yo décidé envahir Fonds National. Temps en temps, nèg yo décidé envahir Fonds National. OK. Et que donc je dis en là, faut que nous essayer comprendre. Je dis en là, faut que nous garder et suivre. Comme si comment faire chaque jour temps en temps que il y a des problèmes, il y a des situations qui a passé dans niveau Fonds National. Mais si je dis là que autorité yo,